Et chaîne choc que ça qui passé, moi c'est Dorbens, Kazo, moi compte avec nous pour une autre vidéo. Et si que vous pouvez vous abonner avec chaîne là, m'a invité à faire ça et surtout like page là pour capable encourager travail ça et pour capable informer de nouveaux vidéos qui vient pour sortir. Alors m'a fait cette vidéo ça, c'est une optique pour me capable nous plus de détails et dans next vidéo que nous gain pour nous et qui a in-cab inspection. Côté que agent qui vient pour faire passer test là, il vous pose une question, il faut pour balle non différentes parties en dedans truck là que vous devez connaître non yo. OK, pas toute bagaille net mais m'a montré nous exactement qui ça nous devez connaître. Mais me fait ça tout pour me capable dire nous m'a montré yo mais puisque chaque truck ça dépend de l'école là, gain l'école qui gain truck qui vraiment récent, gain qui gain truck qui ancien. Donc quand d'ailleurs pas fait même genre. OK, donc l'école là lorsque vous pour passer avant passer test là, vous gain pour bon un feuillet qui gain dans toute pièce yo. So moi même moi juste fait moi juste ça montrer nous ça que moi t'ai appris, ça que t'ai montré lorsque m'était l'école trucking et penser à petit nous parce que même lorsque et tout détail yo gain doit pas même mais a presque même gain l'école jeune yo même gain qui capable bon petite différence, gain des non yo capable dit telle pièce. Et nous avons l'école capable pas dire telle pièce, il pas dire pièce ça et puis dit l'autre. OK, mais pour une cab il presque 100% même bagaille sauf qu'il y a des différences en dans truck là qui différent parce que si truck là vraiment récent il pas semblé et il y a des bagailles ou prendre dans l'autre là que ou pas prendre dans nouveau truck là. Par exemple ancien truck yo dans côté on mettait fuse yo li gon ti manche que capable ouvrir les pour ouais fuse yo dans nouveau truck là ou pas elle. So, je ne sais pas si c'est toujours placé là, mais vous ne pouvez pas fuse you dans le nouveau truck là. Donc, c'est une différence que je fais pour nous, mais bah, c'est la petite nous quand même. Et puisque ça, c'est en sorte de échauffement, en façon pour nous avoir une idée ça que nous avons pour nous. Mais tout si que nous étudions, nous faisons exactement ça, je montre dans la vidéo ça. Il y a vraiment utile nous avant que nous passions le test CDL nous, parce que nous avons une majorité. N'a pas qu'on ait majorité question, n'a tout préparé. Donc lorsque nous arrivons à l'école là, c'est juste et feuilles n'a c'est juste une petite différence tout petit capable bien comme ça tout le capable même bagaille tout. OK, so moi pense cette vidéo ça a utile nous et surtout partager avec l'autre monde qui est intéressé dans trucking ou bien monde qui veut supporter page là. OK, et m'a dit nous et continuer rester motivé. Et parce que si nous avons intention à passer test CDL nous et rester quoi dans tête nous parce que si il y a l'autre monde qui passe nous ca passer le tout et si moi veut passer c'est que on ca faire le tout et m'a dit nous tout pas inquiéter nous pour langue là nous pas obligé parler anglais couramment une fois que nous capable même lorsque pas bien prononcer ça pas un problème parce que on comprend nous parce que moi ouais des monde qui presque pas ca prononcer du tout mais yo songe non yo yo arrivé passer test là. OK, une fois que vous montrez so ap di la pwè la a j'ap fini pas comprendre so ap di. Donc pas inquiété pour ça, pas occupé aucun monde qui prend tête nous pour on a l'acheter CDL so pas faire bagarre comme ça puisque n'a metté la vie nous en jeu, n'a metté la vie l'autre monde en jeu dans la rue et nous si nous frapper monde, nous tuer monde, nous ka fini dans prison. Donc penser à ça, ça vraiment important conduire pas en jouet. OK, donc prenons tête nous capacité test là tout et c'est ça que m'ta aimé nous fait et c'est pour raison ça que qui fait me prendre ensemble moi fait vidéo ça pour nous bien que me pas vraiment gain temps parce que me fin conduire moi fatigué moi fait effort pour capable et fait ça me capable pour moi aider nous communauté haïtienne pour qui intéressé avec trucking pour capable gain et le plus d'informations que possible qui capable aider nous gain CDL nous tout et bien que dans la communauté par nous nous besoin pile aide MTW ouais besoin en question trucking. OK, so next video guys, on va montrer nous comment vous faire in cab inspection. Donc mettez contact avec nous dans vidéo ça et n'a pas dans next vidéo dans in cab inspection. OK, ciao.